C'est une foule immense venue de tous les coins de la ville de Kolwezi pour accompagner la gouverneure de province. Marie-Thérèse Massou-Kassai-Nififi s'est enrôlée en compagnie des membres de son gouvernement et quelques députés provinciaux. Elle a commencé par une marche de sensibilisation en partant de la grande place de la Poste en prêtant l'avenue Madouda, passant par l'avenue Kassavubu jusqu'au centre d'enrôlement basé au lycée Mwanga de Kolwezi, site choisi pour le lancement officiel de l'opération. Après avoir rempli toutes les formalités, la gouverneure de province a reçu sa carte d'électeur sous les ovations de l'assistance. À sa sortie du centre, Masuka Sainififi a invité ses administrés à suivre son exemple pour avoir droit de participer aux prochaines échéances électorales. J'exhorte toutes les personnes à venir s'envoler. Le chef de l'État a tenu parole. Nous sommes en train d'aller vers les élections telles que programmées et sous le plan aussi de la loi sur le plan constitutionnel. Nous avons tous remarqué avec vous, la presse, que ça fonctionne et que c'est ma carte et que c'est ma photo qui est là, bien qu'elle est en noir et blanc, mais c'est moi. Elle est en noir et blanc, comme ils ont dit, parce qu'ils préparent aussi l'identification de la population de toute la RDC. Cette opération ira du 25 janvier au 25 février 2023 dans cette ère opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante.